Allez, aujourd'hui, c'est le Parmelan, la tête du Parmelan. Heureusement, il y a un plan, puisqu'évidemment, comme d'hab, ça n'a pas été préparé d'une manière extraordinaire, ce marché vol. Merci à JC pour les infos, à Caribou aussi. On va essayer de se débrouiller avec tout ça. A priori, ça a l'air quand même assez simple, hein. On monte au col de Barman, ça ne s'invente pas. Chalet Chapuis, et ensuite, croisement Grand Montoir. Je crois que je vais prendre une photo de ce truc avant de me paumer un peu plus loin. Col de Barman, 1h20, je crois qu'il y a 1000 mètres de dénivelé, il me semble, jusqu'à la tête, à 1800, on est à 700, ouais, 1100 de dénivelé aujourd'hui. On va essayer de pas se paumer, on va essayer de faire un beau vol, j'ai pas spécialement repéré les latéraux, donc je sens que ça va être encore croustillant tout ça. Allez, c'est parti! Et voilà, première étape, le col de... Alors j'ai dit Barman tout à l'heure, c'est peut-être plus Barman quand même. Col de Barman, 1100 mètres. Je crois qu'il faut que je passe par le chalet Chapuis à 25 minutes. Enfin, 25 minutes. Là, c'est indiqué à 1h20, je crois en bas, j'ai mis 50 minutes. Je ne sais pas qui fait les panneaux avec les durées, mais il y a quand même un souci. Hein. Bon, en tout cas, je suis dans la bonne direction. Ça, c'est rassurant. Ah, c'est chouette. Il est 8h30. J'ai commencé à monter. Ouais, un peu avant 8h, je crois. Avec les seules vaches comme compagnie. Ah, c'est cool ces petites randos. Bon, bah, allez, direction Chalet Chapuis. Dans quelle direction? J'en sais rien. Ah, par là. 25 minutes. Et puis ensuite, le Grand Montoir, je crois. Et après, bon, ben, l'aventure continue. Hein. Arrivé au Chalet Chapuis. Avec mon fan club qui m'attend. Mesdames. Bon, 1250, 500 mètres de dénivelé. Bon, j'en ai fait la moitié à peu près. Commence à avoir une petite vue bien sympa. Oh, c'est beau. Où est la voiture? Aucune idée. Mais c'est beau. Et là, c'est la grande forme. Bon, allez, ça continue. Refuge du Parmelan par le Grand Montoir. 2 heures, bordel. Bon, j'espère mettre un petit moment que ça quand même. Allez, c'est parti. Refuge du Parmelan, Grand Montoir. 1h55. On est reparti. Il a fallu traîner, hein, au bordel. Ouh la vache. Allez, ça, c'est fait. Yalla. Ah, c'est beau. Oh, visez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est chouette. Alors le grand jeu maintenant, ça va être de retrouver la bagnole. Et ouais, je n'ai aucune idée de la direction à prendre. Aucune idée. Oh là là, putain. Est-ce que je me suis garé à gauche là-bas, à droite? J'en sais rien. Ça c'est le chalet où je suis passé. Ouais, je suis monté par là, ça c'est sûr. Ah, quel boulet! Ouais, et ben c'est bien chouette, chouette rando. Je pense
chouette déco, je sais pas. Vent de cul, pas trop, mais en temps normal peut-être, ouais. Merci Caribou, tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé une heure et demie de descente en marchant surtout. Alors. Parce que des champs pour poser, ça y en a, il n'y a pas de souci. Mais alors... est-ce que c'est là-bas? Ouais, je sais pas. Alors, je crois reconnaître la terreau de la vidéo de JC qui est là-bas. Il y avait des maisons, un petit arbre isolé que je vais essayer de ne pas me prendre et un champ, donc j'imagine que c'est ça là-bas. Et ce qui est bizarre, c'est que je suis pas passé à côté en venant. Ah ouais, si, ça doit être ça. Oh bordel, je crois que j'ai trouvé le champ. Alors le problème, c'est qu'il y a deux vaches. On va essayer de gérer ça. J'ai vu des clôtures aussi. Ouh, oh, on est bien là. Allez, 2 heures de montée. Il est 10h20. J'ai pas traîné pour décoller, là j'ai vu que la manche à air était cue, mais moins que tout à l'heure, donc j'ai filé, j'ai galopé. J'ai jamais autant galopé pour un déco. Avec la voile toute molle au-dessus de la tête, ouais, c'est pas une sensation extra, mais bon. Ça l'a fait. Allez, je reviendrai le parmelan. Alors... il y en a qui est grand chose ce matin, on va quand même se mettre au-dessus sur un malentendu. Ouais, je suis à finesse du champ, large. Là, j'étais venu qu'une fois ici, quand j'avais fait mon super vol, là, mon 50 bornes. J'avais fait Verrier-Parmelan en passant au-dessus d'ici. C'est le lâchat, je crois. Un énième lâchat. J'avais raccroché. Ouais, là-bas. Je sais pas comment ça s'appelle la pointe là-bas. Angleterre, peut-être, je ne sais rien. Ah ouais, c'est beau. Avec les couleurs du matin, là, c'est magnifique. C'est chouette. Alors, on va rester à finesse du champ, peut-être quand même. Ouais, c'est bon. Pas faire de conneries ce matin. Bon, allez, direction latéraux. On va prendre de risques. Bon ben voilà, Parmelan fait. Je vais pas poser là-bas pour pas effrayer les vaches. Celui-là était un peu en pente, mais bon, ça l'a fait. Je suis pas sorti de ma sellette, aucune idée pourquoi. Je crois que je voulais faire à nouveau une Kriegelmaurer, mais je sais pas. Bon, enfin bref, c'était plutôt cool ce vol. Rando sympa, petit vol sympa du matin. On remballe tout ça,
on dit ciao à mon public. Salut public. Et on entre.